L'insurrection éclate en janvier 1863 sur le territoire polonais envahi par la Russie. À la suite des trois partages successifs de la Pologne de la fin du 8e siècle, la République des deux nations polonaise et lituanienne, divisée entre les empires russes, allemands et austro-hongrois, a cessé d'exister. Elle avait été l'État européen le plus étendu territorialement, fondé sur les principes de l'électivité du roi, le parlementarisme et les droits des citoyens. Un État qui s'était doté d'une grande culture, irrigué par les idées gréco-latines, la chrétienté romaine, les apports de la réforme, les échanges avec l'Italie. Bien que la République ait disparu de la carte, les générations successives réclament sa reconstruction et bataillent contre les oppresseurs. L'insurrection de janvier, précédée par plusieurs années de manifestations patriotiques et de demandes de réformes agraires et sociales, est provoquée par le refus des autorités russes de faire autre chose que des concessions superficielles. Déclenchée par la conscription forcée des Polonais par l'armée russe, elle est défaite en 1864 et a pour résultat une répression impitoyable ainsi que la suppression quasi complète de l'autonomie déjà très relative du royaume du Congrès, à quoi s'ajoute la russification des anciennes provinces polonaises de l'Empire russe.